Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du Let's Play consacré à Distant World Universe. Voilà, donc on a expédié, disons, un vaisseau d'exploration un petit peu en test dans cette zone de débris qui se trouve là-bas. Ouais, il y a quelques points comme ça qui clignotent sur la galaxie, hein. Ce sont des secteurs d'intérêt en fait, hein, qui nous ont été révélés soit par des interceptions de transmission ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. En général, ça nous permet de gagner des trucs qui peuvent être très très bien, hein, notamment dans certains champs de débris comme ça. On peut trouver par exemple des vaisseaux amiraux extrêmement avancés par rapport à ce que nous on est capable de produire. Ça permet de trouver des choses comme ça qui sont assez sympathiques. Alors évidemment, vous vous doutez bien, après la découverte énorme qui a été faite récemment. Il faut évidemment que je redesigne absolument tout ça. Donc ça va être très long, bien sûr. J'ai pour l'instant toujours un maximum chip size de 300, mais l'arrivée de notre nouvelle hyperdrive va permettre en fait de gagner, de récupérer de la place sur certains vaisseaux. Je pense par exemple aux vaisseaux militaires. Prenons par exemple le Destroyer, qui est pour l'instant a priori notre vaisseau le plus costaud. Il est à 295 en size. Alors ce que je vous propose, c'est de redesigner un vaisseau de combat en voyant les différences que cela fait. Et puis ensuite, je mettrai le jeu en pause parce que je ne pense pas par exemple qu'il soit très intéressant pour vous. Si je pense par exemple au vaisseau du privé, il va falloir évidemment redéfinir les possibilités du Large Freighter, par exemple, en lui donnant la possibilité d'avoir également ce voyage en hyperdrive qui va permettre de tout simplement de porter le commerce beaucoup plus loin et avec aussi beaucoup plus de vitesse. Donc ça, c'est extrêmement important pour stimuler le secteur privé qui doit rester une préoccupation, hein, même si c'est pas nous qui nous en occupons, c'est eux qui fabriquent tout seuls leurs vaisseaux. C'est nous quand même qui validons les designs de vaisseaux, puisque je n'ai rien mis en automatique, hein. Donc on va s'occuper de notre destroyer, par exemple, et on va le copy as new pour pouvoir le modifier. Alors, c'est pas compliqué. Notre destroyer, c'est le Harkonnen Wrath, la colère Harkonnen. De MK2, on va virer immédiatement le Warp Bubble. Voilà, donc ici on a une grosse chute au niveau de la vitesse hyper, naturellement. Et à la place, on va mettre le Gerax Hyperdrive. Pouf! Et là, on remonte immédiatement à 12 500. Au passage, vous voyez que ça n'a pratiquement rien coûté en termes de size, puisqu'on était à 295, on est passé à 296. Par contre, on est passé à une vitesse de 12 500. Ça change tout, naturellement. Sauf que la chose qui a changé, c'est qu'on se retrouve avec un vaisseau qui a une portée de 4 secteurs 65. Alors, 4 secteurs 65, ça peut paraître finalement assez peu, mais par rapport en tout cas à ce que d'autres sont capables de faire, mais c'est pas mal en fait. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Évidemment, j'avais moins mis de fuel cell dans un vaisseau de guerre comme celui-là que dans d'autres vaisseaux. Donc du coup, voilà, hein, la portée est moins grande. Et pourtant, je vais quand même enlever, voyez, parce que ça va pas diminuer facilement, hein, deux secteurs 79. Je vais encore enlever un compartiment de fuel cell et je suis à un secteur 88. Un secteur 88. Ça me paraît trop peu. On va repasser. Ah, et on prend quasiment un secteur d'un coup, hein. Voilà. Donc on baisse à 284. Vous voyez que c'est pas encore idéal. Le max weapons pour l'instant avec ce qu'on a, c'est 60. Et le Gerax bouffe 78 en consommation d'énergie. Donc 78 plus 60, ça fait 138. Et j'ai un excess output de 126, ce qui veut dire que pour l'instant, le vaisseau n'est pas extrêmement bien optimisé. J'ai trop de railgun embarqués par rapport à l'énergie que je peux produire. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit on met un space reactor supplémentaire, et dans ce cas-là, on passe à 172. Ah, et bien on passe à tout de suite à 302, hein.
taille. Ouais, c'est que ça pèse lourd, hein, 18. Donc Space Reactor, non, on ne peut pas se le permettre. Donc, du coup, on n'aura pas gagné grand-chose quand même. Il va falloir débloquer... Ben, on gagne pas grand-chose pour une raison très simple, c'est que ce n'était pas un vaisseau qui embarquait énormément de fuel cell, de toute façon. Donc c'est pour ça que ça change pas grand-chose. Ceci dit, je ne lui ai mis que du railgun. Peut-être qu'on pourrait lui mettre aussi un petit peu autre chose. Les blasters, je les ai pas améliorés. Ils ont une portée de 150. Railgun. Attends, on va classer par catégorie parce que là on s'y retrouve plus. Alors. Donc. Eux ils sont classés en weapon beam ici. Voilà, c'est le railgun pour l'instant qui fait le plus de dégâts. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est lui ajouter, parce qu'après tout il en avait pas, de l'armure, puisqu'on a débloqué l'armure, et vu qu'on a récupéré un peu de place, voilà, on se retrouve donc avec 700 en bouclier, mais également 100 en armor, et on peut s'amuser à aller jusqu'à 300, c'est-à-dire le maximum possible de ce qui était fait jusqu'ici. Voilà, on a un vaisseau qui se déplace à 28 en vitesse de sprint. Par contre, on a toujours le même problème, c'est-à-dire 60. Mais attention, hein, ouais, c'est même pas vraiment un problème en fait. Parce que 60, mais jamais le vaisseau ne va aller tirer en étant en hyper. Il n'y a pas de combat en vitesse hyper. Donc en fait, en vitesse de sprint, l'énergie output, il est de 28. Donc 28 plus 60, ça fait 88. Donc on a largement de quoi faire. Ce qui veut dire également que là, je suis passé à 160 en armor. Si j'en enlève 5, j'aurai des vaisseaux, même pourquoi pas 6, qui ont 100 en armure. Et comme finalement 28 plus 60, ça fait 88. Du coup, avec ce que j'ai récupéré, ouais, 294, c'est pas terrible. Un railgun, ça prend 7, donc ça passe pas. Je peux mettre un long range gun éventuellement et avoir un petit firepower supplémentaire. Voilà. Donc j'ai un vaisseau qui a gagné une arme, un long range gun, une vitesse de 12 500 qui me permet maintenant d'intervenir sur quasiment 3 secteurs et une armure de 100. Voilà. Donc je n'ai rien changé au modèle de vaisseau. Je n'ai pas dépassé la taille 300 maximum, mais j'ai pu réaménager mon vaisseau quelque peu grâce à ça. Voilà. Grâce à cette découverte. Donc là, après, bien sûr, je n'ai plus qu'à sélectionner tous mes vaisseaux militaires, les sélectionner par rôle pour mettre en évidence tous les destroyers, et je demande un rétrofit. Alors, par contre, je suis surpris. Il me l'a pas enregistré comme un MK3. Je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait plutôt? Non, pourtant tout y est. Tiens, c'est bizarre. Name. Le Harkonnen Vraz. C'est bien ça pourtant. Harkonnen Vraz MK2. Tiens, c'est étrange ça. Il coûte bien 300. Non, bah c'est bizarre. Il y a un conflit dans la façon de nommer les vaisseaux, j'ai l'impression. Ouais. Parce que ici, si on prend tous les destroyers, le châssis, c'est quoi? Ça doit être indiqué normalement design. C'est le Harkonnen Vraz. D'accord. Ouais. Donc c'est bien celui-là. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Pour tous les destroyers qu'on a ici, on va rétrofiter. Ah bah du coup il l'a mis en MK3. Ouais. Rétrofit en MK3. Voilà. Hop. Et ils vont tous se précipiter et ils vont tous passer à la vitesse hyperdrive. Je pense que la modification sera beaucoup plus spectaculaire sur un vaisseau de ce type par exemple. Bon déjà, on n'est pas limité hein, pour les vaisseaux de construction qui sont considérés, je crois, comme des bases. Donc ils ont 900 en,
en limite d'exploration. Là actuellement ils vont à 2,16 secteurs, et ça évidemment il y a un changement extrêmement impressionnant qui nous attend pour celui-là. C'est qu'il embarquait déjà combien 27 small fuel cells. Donc warp bubble on vient, on met à la place le Gerax. Où c'est qu'il est rendu encore? Là. Gerax Hyperdrive. Tac. Voilà. Et là, vitesse 12500 bien sûr, on passe à 21 secteurs. Donc on se retrouve avec la même absurdité, je dirais, que pour les vaisseaux de. Que pour les vaisseaux de, d'exploration. Hein. Donc là, eh ben, c'est des fuel cells par paquet de 5 qu'on va pouvoir enlever parce que ça sert à rien. Donc là, on va tomber, vous voyez, on va rebaisser le design de ce vaisseau de manière assez impressionnante. Et c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, ça va réduire également le coût de ce vaisseau. C'est ça qui est extrêmement intéressant aussi. Hein. En vitesse de sprint, regardez-le, le PPA, il est rendu à 64. Ah non, pardon, c'est l'énergie, excusez-moi. En vitesse, il est à 19. Je me suis trompé. Voilà. Mais lui, c'est pareil. Il y a des choses qu'il embarquait pas avant, et des fois on sait que les vaisseaux de construction se font attaquer. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de nous mettre 500 en shield, et même pourquoi pas de blinder un petit peu ce vaisseau, même très légèrement, hein, en lui mettant de l'armor plating, voilà, paf, 5, et comme ça il a 50, le temps pour lui simplement de prendre la fuite à la vitesse de 12500 et d'être tranquille. Hein. Voilà, donc ça, ça va changer beaucoup de choses. 13 secteurs 28 maintenant, et puis en plus, on s'est permis au passage de rajouter un petit peu de, un petit peu de d'amélioration, voilà, à ce niveau-là. Donc, je vais modifier tous les designs, et puis on se retrouve après. À tout de suite. Alors, je reprends le cours de l'enregistrement. Donc, ça se bouscule un peu au portillon au niveau du spatioport de Dune, évidemment. Moi, de mon côté, je vais ordonner la création de 12 vaisseaux d'exploration pour 17 000 crédits. Ils ont tous hors de rétrofiter, hein, tous les vaisseaux d'escorte, tous les vaisseaux de... Donc là, c'est un peu, évidemment, c'est un peu de la folie ici. C'est la conséquence directe, évidemment, de notre découverte majeure. Voilà l'influence de mon empire pour le moment. Avec cette bulle qui est complètement coupée par le fait d'être, d'être au bord de la galaxie comme ça. Voilà. Voilà, donc le rétrofit évidemment va commencer très sérieusement. Et puis bah, il va falloir que nos chouettes vaisseaux d'exploration. Alors, les recherches sont achevées dans le domaine des Starfighters. Voilà, on a le Standard Fighter Bay maintenant, pour les vaisseaux et pour les bases, ce qui est extrêmement intéressant. Hein. Extrêmement intéressant. Oui, oui, on va pouvoir ajouter des véhicules chasseurs à nos designs. J'aime bien les mettre sur les bases, notamment. Hein. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un vaisseau ici qui est en train de rétrofiter. Lui, il l'a déjà fait. Et l'autre, il est là-bas. Ok. Ils sont déjà en route. Hein. Et puis les autres, bah, ça va être pareil. Hein. Ils vont partir explorer les étoiles partout. Et on va essayer de trouver tout plein de... On va essayer de trouver, effectivement, de rattraper notre retard. Alors, il y a une chose qu'on doit également rattraper, c'est le fait qu'on ait mis tellement d'énergie à chercher ce secteur-là. Le secteur de l'armement, notamment, est complètement laissé pour compte depuis, et pour cause. Ici, regardez, research. J'ai fait 1, 2, 3, 4 Research Center, ici, plus un autre ici, que j'avais pas vu. Voilà.
Donc tout ça, ça apportait du bonus à l'énergie. Ce qui fait qu'il y a une disproportion complète qui se fait ici. On a un 90K pour le high-tech qui est là. Et l'armement n'a même plus... Voilà, les usines d'armes n'ont même plus de... Ouais, c'est pour ça qu'elles sont complètement à la traîne. Je sais même pas d'où elles tiennent ce bonus là. On a 30K et on arrive à 55K. Alors, nous de toute façon, notre potentiel c'est 654K. Donc, go to research station. Il va falloir rebalancer ça, rééquilibrer ça. Parce que energy construction, ça reste très important, bien sûr. Mais maintenant qu'on a l'hyperdrive technology, on peut rechercher, je dirais, de manière peut-être un petit peu moins frénétique dans ce secteur. Parce que ne pas oublier qu'en high-tech, on est sur un break programme. Hein, donc la colonisation avance 3 fois plus vite que la normale, ce qui est une très très bonne chose. Mais on a également plein de choses extrêmement importantes à trouver ici, et je vous parle même pas de l'armement, qui est complètement à la ramasse depuis quelques temps. Donc il va falloir un petit peu rééquilibrer les choses dans tout ça. Ça c'est sûr et certain. Donc... Alors c'est où le Special Locations? On en a là au fait ou pas? Ouais, ça c'est les champs de débris. Resort Location. Il y en a une sur Rotal 10. Research Location, on n'a rien. Voilà. Rien de spécial. Ok, ça marche. Colonie potentielle, on n'en a pas. Alors, Pirate... Alors, la mission pirate qui consiste à nous ramener de Lucantium Pearl. Euh, 65 unités délivrées, 228 crédits payés. 0 pirate faction accepted. Il y a 4 empires qui considèrent cette mission. Voilà, donc je cherche toujours à récupérer les perles du Cantium hein, sur la planète de Dune. Military ships, fleets, enemy targets, exploration ship. Non, c'est pas là que je vais les trouver. Alors, où est-ce que je vais les trouver alors? Peut-être tout simplement là. Research stations. Voilà. Donc là, il y a trop de recherche en high-tech. C'est complètement déséquilibré. Donc on va essayer de revoir ça. Attendez, il faut que je réfléchisse. On a un potentiel de 654K. Donc 220 plus 220, ça fait 440. 440 plus 220, ça fait 660. On y est presque. Donc il faudrait arriver, pour bien faire, à rééquilibrer nos recherches pour que ça soit du grosso modo 220 220 220. Voilà, ça serait ça l'idéal. Donc comme on a le spatioport de Dune qui fabrique 30, ça veut dire qu'il va manquer 190. Oui, donc en gros 180, donc en gros 2 de chaque, c'est ce qui paraît logique. Donc ça veut dire que cette research station par exemple, au niveau de la recherche en high-tech, en énergie, pardon, j'en ai trop. Là, actuellement, j'en ai 5, et je dois réduire à 2. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 que je dois détruire. Ok. Le problème, c'est que... Il y a un truc qui m'embarrasse, c'est que quand je lui demande... Gassons, ça. Voilà, les voilà. Volcan Station, donc high tech, energy, 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 energy. Donc je peux faire un scrap. Ah bah voilà qu'il y a une sauvegarde. La sauvegarde qui a toujours scrap. Qu'est-ce qu'on peut en faire sinon? Pas grand chose. Retire, ça marche que pour les vaisseaux. Retrofit stance, auto-retrofit, scrap.
on la détruit. Celle-ci, on la détruit. Celle-ci, on la détruit. Et ce faisant, nous avons ramené à deux stations de recherche. En énergie. Voilà. Et là, on a une station de recherche en high-tech. Donc maintenant, il faut que je fasse une autre station high-tech et deux stations weapon pour avoir quelque chose d'équilibré. Alors, on va faire ça. Est-ce que j'ai des... Du coup, Energy Research ici qui a un bonus, mais ça ne nous intéresse pas forcément. Je pense qu'on va construire ça autour de Dune, hein. Ça sert à rien d'aller fabriquer ça ailleurs. Donc on va sélectionner Dune. Et on va mettre ici en queue. Ah bah non, si je sélectionne Dune ici, ça ira plus vite en faisant comme ça. Cheap or base. Base. Defensive. Construct. Non. Ça que je veux. Tiens, c'est bizarre, je pensais qu'on pouvait directement. Comment ça se fait que je peux pas return to top, build construction ship, defensive base. Ah, mais il m'énerve à la fin. Bon, ben on va faire autrement, tant pis. Donc j'ai dit qu'il en manquait une en high tech. Voilà. Et il en manque deux en weapon. Voilà, ça va être un peu chargé autour de... Voilà. Et normalement, ici, donc là, on a rééquilibré, on a gardé les deux qui sont là, on en refait une en high-tech et deux autres en weapon. Et à mon avis, ça va redispatcher correctement cette capacité de recherche. Alors, ouais, pour l'instant on fait 114k de profit, il faut dire que je me suis pas trop fait chier. Ici ils sont pas contents avec les taxes, évidemment, je suis à plus 6 en satisfaction seulement. Je crois qu'ils vont être encore plus mécontents, je vais passer à 50% de taxes. Mais ça n'a plus d'importance puisque la planète est au max, désormais en population, on le voit ici, max. Donc de toute façon, maintenant que la planète est top du top, ah, par contre, ils sont... Ouais, j'ai peut-être poussé un peu haut avec les taxes. 45. J'aimerais bien quand même qu'ils soient pas trop... complètement désespérés, on va dire. Alors, offer attack mission. Ouais, mais alors ça, le problème, c'est que le Desperado Net... Bon, remarquez, je peux l'approuver, puisqu'après tout, les crédits ne seront enlevés que si la mission fonctionne. Donc, pourquoi pas, après tout. Hein. Pourquoi pas. Donc là, on a une... quantité de vaisseaux impressionnante, et vous voyez que eux, alors ouais, je vous montre quand même parce que ça peut être important pour ceux qui jouent. Là vous voyez par exemple un large freighter, donc un transporteur qui appartient au secteur privé, qui est en train de rétrofiter. Pourquoi? Et bien pour la simple et bonne raison que ici dans cet écran j'ai mis all design types, donc tous les designs en cours actuellement, ils sont en orange parce qu'ils ont tous été faits par moi, hein. Ici sur le rétrofit, c'est très important, quand on clique, si je prends par exemple, j'en sais rien moi, la guilde des bâtisseurs MK4, le construction ship, si je clique, je le mets en automatique, ou en manuel, automatique, manuel. Mince. Hop, je vais le remettre en manuel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tous les vaisseaux du secteur privé dont je n'ai pas envie de m'occuper, c'est essentiellement les trois catégories de transporteurs plus le vaisseau passager, je les ai mis en rétrofit automatique. Ce qui fait que j'ai pas à m'en occuper. Voilà. C'est ces vaisseaux-là. Ils rétrofitent tout seuls. J'ai fait la même chose avec les mining ships. Les vaisseaux de... Hein, les vaisseaux de minage. De gaz, de minage de matériaux. Je les ai mis en automatique aussi. C'est pas moi qui m'en occupe. C'est eux qui se démerdent avec ça. Moi, j'ai préféré garder en fait en manuel mes spatioports, évidemment. Qui sont eux en manuel. La resort base, elle est en... Ouais, à la rigueur, je vais la mettre en automatique. Et j'ai gardé évidemment mes vaisseaux militaires. Voilà. Pour le reste, pour moi, c'est
c'est de l'automatique. Et vous voyez ici, tous ces freighters qui vont venir là. Noble Wonder, il est en train de rétrofiter. Voilà, c'est là, ça se bouscule un petit peu au portillon, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, Exploration Ship has been completed. Donc maintenant, si on recule, ça va être la fête. Parce que on va voir, logiquement. Hein. Ah, ça y est, il y a des bases qui sont en train d'être faites. Potential Colonies. Non, pourtant on les voit ces machins là. Donc, Exploration Ship. Voilà. Là, c'est en train de venir à tout va. Ils n'ont pas bougé encore. Ils sont en no mission, mais ils sont automatisés. Hein, donc, ils vont. Suffit d'attendre un petit peu. Voilà, ils sont en train de sortir des. Voilà, voyez. Explore, 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 explore. Ils partent. Regardez ça dans toutes les directions. Regardez-moi cette belle toile d'araignée là qui est en train de se faire. Ils partent dans toutes les directions. Et ça, ça, c'est fantastique. Vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une mission d'espionnage qu'on nous suggère contre le Ikuro Empire. To steal research information upon beam weapons. Ouais, mais on a quelle chance d'aboutir. Pour l'instant, ils nous respectent à peu près. On n'a pas vraiment de relation avec eux, hein. Ils sont cautious. Si je leur propose quelque chose, de toute façon, comme par exemple a trade proposal, est-ce qu'il y a des choses qu'on a qui les intéressent? Eux, ils ont rien à nous offrir. Ils peuvent aller jusqu'à 10 000 crédits pour quelque chose. La Galaxy Map, ça vaut 12 000. Non, non, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Swap map or tech, échanger les cartes, ça peut être intéressant aussi. Moi, je. Free trade agreement? Well, no. Je me doutais un petit peu. Donc, cette mission d'espionnage, je sais pas trop. Je fais pas franchement confiance, non. Pour l'instant, c'est pas le moment. Alors, vous pouvez voir que les vaisseaux d'exploration, ils ont tendance aussi parfois un peu à aller n'importe où. Hein. Là, on se demande pourquoi, par exemple, celui-ci, il va jusque là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, donc, il y a un certain nombre de vaisseaux d'exploration qui vont partir dans tous les sens, naturellement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me fabriquer une petite armada. Ah, il y en a encore pas mal hein, qui doivent venir là. Waouh. Ouais, non, ça va faire beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que le Profound Bargain, qui se trouve ici par exemple, et qui n'est pas encore construit, je vais lui enlever son automatisation. En fait, je pense que je vais en garder 3. Les 3 qui sont là. Ne seront pas libres de se déplacer où ils veulent. Je vais les limiter. Et c'est moi qui vais leur dire où aller. Parce que vous voyez, par exemple, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui aille là, ou là, ou là, ou ici. Mais non, des fois, ils partent un petit peu hyper loin, dans des destinations hyper lointaines. Donc des fois, ils ont des lubies comme ça, ils partent un petit peu n'importe où. Donc moi, ça ne me convient pas forcément. Donc, si je prends tous les exploration ships là, et que je prends ceux qui sont pas construits, sur l'autre truc ça marche pas. Voilà. 3. Je m'en garde combien? 4. J'enlève l'automatisation sur ces 4 là. Comme ça, ça sera moi qui les contrôlerai. Voilà. Pour être sûr qu'ils fassent pas complètement n'importe quoi. Et regardez, ils se déploient. Et ce qui est beau, évidemment, par rapport à la situation dans laquelle on était jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la vitesse à laquelle il se déplace naturellement. Donc faut que j'attende un petit peu encore, faut que je sois patient, parce que je vois qu'il y a des vaisseaux de construction qui commencent à émerger de tout ça. D'ailleurs, il n'y en a pas assez, puisque maintenant, on va envoyer des vaisseaux de construction sur des missions un petit peu dans tous les sens. Actuellement, j'en ai combien, moi, des vaisseaux de construction? J'en ai 4.
L'advisor lui ne suggère rien. 4. Alors faut faire attention parce que ça coûte cher quand même cela. Je vais m'en ajouter 4 autres. Voilà. Donc là ils partent hein, à une vitesse quand même telle qu'on aurait rêvé la voir ces derniers temps. Et si je vais sur l'expansion planner ici, pour essayer de repérer notamment les ressources stratégiques, etc. On voit qu'il y en a qui me manquent, hein, comme le krypton par exemple, j'ai qu'une source. Mais surtout le dithyrium cristal que je n'ai toujours pas. Bon, c'est pour les matériaux, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est pour des composants avancés. Meridian Shield, Megatron Z4, Area Shield, on n'a pas du tout encore toutes ces choses-là. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, c'est une unité stratégique qui n'est pas nécessaire tout de suite. On voit qu'il n'y a toujours pas de colonie potentielle naturellement. Et Resource Targets by Your Empire Priority. Alors on a toujours nos deux systèmes là qui sont en jaune parce qu'il y a des bases pirates dans le secteur. Donc on en a marre de ça. Et il est temps que la liste s'allonge un peu et qu'on découvre des choses plus intéressantes. Pour les Galaxy Priority, je suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de choses. Tout ça, c'est des bases pirates. Et après, on est très loin quand même. Hein. Très très loin. Donc il y a ça ici. On avait débarrassé... c'est pas mal ça ici quand même. Hein. Je vais essayer d'en envoyer un peut-être. Voilà. On va en envoyer un. Ouais, il y a une planète qui est très intéressante par là. Il y avait une mine pirate qui était dessus. On l'a fait sauter. Depuis, on sait pas trop si... Alors, we should send our agent against the Neroan Corporation. Toujours pour du vol... non, voler la colonisation, ça vaut pas le coup. Voilà, donc ils se déploient, hein, ces vaisseaux de construction... D'exploration, pardon. Voilà, les autres sont pas fabriqués encore. Il y a les 4 là qui seront contrôlés, on va dire. Voilà, donc là il y a un premier système qui est en train d'être exploré ici. Vous voyez qu'il a à peine consommé son fuel. Colony income skill level. Bien. Là, on a plusieurs vaisseaux d'exploration qui viennent d'être terminés. Voilà. Et j'en ai gardé 4, donc on nous dit qu'ils n'ont pas de mission. C'est normal, c'est parce que je me les suis gardés pour moi. C'est beau de voir ces vaisseaux qui se déplacent. Alors, c'est pas non plus une vitesse fulgurante, mais enfin, quand on voit comment ils traversent certains secteurs, la facilité avec laquelle ils traversent certains secteurs, c'est hallucinant, quoi. Ils peuvent vraiment maintenant aller où ils le souhaitent, sans aucun problème. Alors, je vais mettre en pause. Moi, il y avait évidemment des étoiles qui m'intéressent énormément. Des étoiles, notamment par ici. Alors, il y en a plusieurs qui ont déjà été un petit peu prospectées. Si, ça appartient aux anciens gardiens. Là, il n'y a pas de ressources, donc c'était pas intéressant. Là non plus. Alors, on va prendre ce vaisseau d'exploration qui est là. Et on va lui demander d'explorer ce système. Le deuxième, qui n'a pas de mission, on va l'envoyer par ici, et il va explorer ce système. On va attendre que les autres se pointent. Voilà, donc là, il y a du rétrofit de destroyer qui est en train d'être fait. De toute façon, ça va être assez lent, hein, parce que là, il y a une telle... Il doit y avoir une densité d'activité autour de Dune. Enfin, peut-être que ça commence à se calmer un peu, je sais pas. Ouais, encore du monde ici. Hein. Regardez-moi ça un petit peu. Ouais. Énormément de monde encore. Même des small freighters ici. Qui ont plus de mission d'ailleurs. Alors, les Dread Corsairs. The galaxy can be a dark and dangerous place. Non, merci.
Ils sont cautious. Ils ont une puissance militaire de 2360. Les plus forts, c'est eux. Hein. Ouais, 3279 et ils sont en colère contre nous. Ils sont peut-être même furieux. Non, angry, en colère. Ouais. Eux, ils sont à 572 en firepower. 2360, 936. Ces deux-là, les plus dangereux. Hein. Les Dread Corsair et les Lost Sun. Nous, on est à 1184 en puissance militaire. Je fais 124K de cash flow. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Parce que vous voyez que ma monnaie, ici, elle a bien décollé. Hein. Donc, je vais pouvoir faire plus de flotte. Tout simplement. Là, il y a du rétrofit encore qui est en train d'être fait. Voilà, j'ai deux autres exploration ships qui vient d'être fait. Et que je vais pouvoir emmener là où je veux qu'ils aillent. Ok. Explore. Ok. Donc lui, hop, il va venir explorer là. Et lui qui a pas de mission, il va venir prendre une étoile bien jaune. Là. Donc vous avez ce déploiement comme ça. Attendez voir. Lui, il va sur le même système que l'autre. On va le mettre plutôt par là. On va éviter de les envoyer dans le même système. Voilà. Ah, ce déploiement, ça fait plaisir à voir. Ok, ça a été complété. Au niveau des conditions de victoire, on voit qu'on est à touche-touche avec le Ikuru Empire. Hein, ils sont en train de remonter la pente. Nous, sur le plan économique, on est bien. Hein, la barre bleue est bien élevée. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est faire décoller la barre jaune. Au niveau de la pop, on est très très bien aussi, puisqu'on a beaucoup travaillé à amener notre population au maximum. C'est le rouge qui va pas. The most troops amongst non-allied empires, ça on n'a pas. Et le contrôle des planètes désertiques, on n'a pas non plus. Bon, ceci dit, voilà quoi, hein, on peut pas non plus sur Dune, au niveau des troupes, il y a tout ça quand même. Hein. Voilà. Il y a quand même tout ça, je peux difficilement en ajouter, hein, j'en ai déjà mis tellement. Puis tout ça, c'est pareil, pour l'instant c'est inutile et ça a un coût assez important, 6K en troupes maintenance. Bon, je sais que je fais beaucoup de bénéf, mais enfin quand même, c'est pas forcément génial. Voilà, donc là ils sont tous partis sur des missions d'exploration. Avec là, les chiens sont lâchés, hein, véritablement. Tiens, d'ailleurs, on découvre ici une présence des Ikuro. Là, il y a du rétrofit à fond la caisse. Au niveau des flottes, on a quoi? La dune intervention. Et on a escorteur maintenant. Dune intervention qui n'a plus. Enfin, j'ai l'impression que sa portée est très très élevée. Qu'est-ce qui se passe? Ardidus, c'est quoi ça, Ardidus? C'est que ce truc. Je sais pas, je vois rien. Bizarre. Ah, c'est ça, peut-être. D'accord, c'est une espèce de méduse. Évidemment. Évidemment que il fuit, hein, bien sûr. Les vaisseaux d'exploration sont programmés pour fuir les dangers comme ça. Voilà. Ah, c'est la ruée vers l'ouest. Hein. Là, c'est le cas de le dire. C'est la ruée vers l'ouest. Toutes ces flèches là qui partent en direction de ces systèmes qui nous font envie depuis tellement longtemps et qui maintenant deviennent à notre portée. Ce jeu est fascinant. Alors, Advisor. Eh bien, allons-y. Alors, Exchange.
You can put in contact with another empire. Oh, c'est intéressant. Pour 3943 crédits, je veux bien. Ça m'intéresse. Goodbye. Qui ils me font découvrir? La Ketarov République. Ouais, donc moins 18 parce qu'ils nous connaissent pas, mais ça, c'est pas grave. Ils sont assez intelligents, pas très sympas, très prudents, très passifs. C'est les Ketarov. Ils ont une puissance militaire de 622. Ils sont pas très développés sur le plan militaire. Et nous, ça nous fait une découverte de plus. Hein. Ouais, ouais, ça c'est cool. Et c'est eux qui sont devant. C'est eux qui sont devant. Eux, par contre, leur... Voilà. Alors, par contre, eux, ils pourraient se casser la gueule très rapidement. Hein, parce que sur le secteur économique, ils sont complètement à la ramasse. Enfin, ils sont en tout cas assez faibles. Ils ont pas bien développé leur population, sans doute, sur... Par contre, ils ont déjà 4 colonies, ce qui est extrêmement étonnant. Ouais, je suis surpris de voir autant. Donc c'est eux les premiers, hein, pour l'instant. C'est eux les premiers. On est un petit peu dans... C'est une courte tête, hein, tout ça. Hein. On n'est pas... on est à touche-touche. On est à touche-touche. Ça, c'est sûr. Dune. Ah, ça m'énerve. 1, 2, 3, 4, 5. Soyons fous. Allez. Je vais essayer de marquer des points sur... Parce que moi, avoir le plus de troupes dans la galaxie, c'est une de mes conditions de victoire. Donc je vais essayer de booster ça un petit peu. Ça me ferait plaisir. Alors, attention, parce que là, il se passe des choses. Il y a les Lost Sun Pillagers qui viennent d'annuler notre protection. Le Nerwan qui nous la propose pour 554, on dit non. Et le Ikuro Industries qui nous propose également, et on dit non. Alors les autres, s'ils nous ont annulé, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Ça, vous pouvez en être sûr. Cette flotte-là, la Dune Intervention... un truc que je pige pas, ils ont rétrofité ou ils ont pas rétrofité? On est sur du MK4. Atreid Hawk. MK4. Atreid Hawk. Ouais, ouais, le bouton de rétrofit, il est grisé, hein. Donc, ouais, ils sont sur du Garax Hyperdrive, hein, y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que je suis un petit peu surpris parce que... je suis un petit peu surpris, ouais. Donc ils sont sur une posture de défense. Sur le système. On va les mettre en automatique. Mais ce que je comprends pas... C'est pourquoi ce cercle? Ils ont une portée qui est bien plus grande que ça, normalement, non? Ou alors il y a des vaisseaux qui n'ont pas été rétrofités. Oula, on voit, vous voyez, des transports qui se font à une vitesse hallucinante. Alors ici, lui il a terminé sa mission. Ah oui, il est sur un. Ouais, il est sur des astéroïdes, donc c'est pas extrêmement gênant. Je pense qu'il faut que je sois prudent avec les Lost Sun Pillagers. Hein. Ils ont 3230, moi je vais essayer de réactiver leur protection. Excellent, voilà. Ne serait-ce que provisoirement, parce que je ne suis pas en état de, pour le moment, de leur faire face. Hein. Voilà, pendant que mes petits vaisseaux d'exploration sont en train... Je me demande où on en est ici aussi. On est en train de la fabriquer, c'est énorme. Mining Station. 61 build. Il y a du monde par là. Il hein. Y a des indépendants. Ça doit sans doute être des pirates. En réalité. Là-bas en plus on a un truc. C'est un quoi? C'est un vaisseau de resupply. Qui appartient au Ikuro Industries. Ouais, on avait fait sauter avec une mission pirate la station minière qui était ici. Hein. Donc c'était des méthodes un petit peu limites. J'aimerais bien moi récupérer cet endroit. Hein. C'est un bel endroit. Voilà, on voit des vaisseaux d'exploration qui arrivent à terme ici, là, qui arrivent à l'endroit où ils doivent explorer. Vous voyez, là, ils se rapprochent. Il y en a qui sont déjà dessus. Oh, il y a un cercle ici, ça veut dire quelque chose. Non, c'est quoi? C'est des Fighters? Qu'est-ce qu'ils font ici? Les Fyrax se trouvent là.
Ok. Potential colonies? Ah, il y a une colonie potentielle ici. Oh oh. Comme c'est intéressant. Comme c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il y a eux qui sont là. Des Fyraxes. Et ça tombe bien, nous sommes des Fyraxes. Ouais, non, là, il y a quelque chose à faire ici. Hein, ça me paraît clair. Mais je sais pas quelle est la qualité de la planète, par contre. Alors, Potential Colonies, là. Ici. Voilà cette planète. Elle est de qualité 67% seulement. C'est une planète désertique. Il y a une population de 642 millions pour le moment. C'est des indépendants, mais ils appartiennent à la même race que la nôtre. Donc, oh, il y a une Hidden Pirate Base, par contre. Ça, c'est moche. Ouais. Et là, il y a une... ouais, ça, c'est pas bon, ça. Les pirates sont déjà passés par là. Ok. De toute façon, je n'ai pas encore, pour l'instant, les moyens. Je sais pas où on en est là-dedans. Est-ce que ça s'est rééquilibré? Oui. 210, 300, 210. Donc, au moins... enfin, le actual output est de 191, 302, 185. Donc, ce n'est pas encore rétabli. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Weapons! Il y en a deux. Ça fait 180 plus 30, 210. 210 cal potentiel. 90, 90. Ah, il y en a une en trop encore ici. Et là, il y en a deux. D'accord. Donc, le potentiel, évidemment, est... bouleversé un petit peu par le fait qu'il y en a une troisième qui avait échappé à mes radars. Donc, Research Stations. Weapon, weapon, high-tech, high-tech, energy, energy, energy. C'est trop, tout simplement. À chaque fois, c'est du plus 8%, donc il n'y a pas de problème. Scrap. Voilà. J'avais pas vu qu'il y en avait une qui était pas partie. Alors, nous avons rencontré un nouvel empire de... Ah, c'est des pirates. The Tanta Zelbra System, The Menacing Starfleet. Eh ben, on se serait bien passé de faire leur connaissance à ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? The Giant Kaltor. Ouais, ben ça, c'est des choses qui arrivent. Ah, on est dans le champ de débris, là. Ah, c'est intéressant, ça. C'est où? Ah, c'est lui. Il a enfin fait son voyage, et c'est pour être accueilli par des Kaltors. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par ici? Il y a une planète avec ça, des ruines, les grandes archives de Tanta Zelbra. Ok, et là, il y a plein de vaisseaux. Voilà. Donc ceux-là, si on les retape, ça peut faire des choses intéressantes. Mais bon, là, il y a un Kaltor, donc lui, il va chercher à le fuir, évidemment, naturellement. C'est normal. Ok. Bon, en tout cas, on avance sur la découverte des ressources, hein, a priori. Ouais, elles sont difficiles à construire, mais... Ah, vous voyez, c'est marrant, ils cherchent même pas à refaire le plein, eux. Ils ont exploré un truc, et ils continuent, en fait. Ils ont tellement une capacité tellement grande. Tiens, regardez, ah, ça, c'est une image intéressante. Comme il a bouffé, il a commencé à manger du fuel. Vous voyez, il est à 508, bon, il a de quoi faire. Hein. Regardez, ça y est, on voit enfin son cercle, son diamètre ici. Voilà, ça y est, on le voit. Voilà, vous voyez un peu? On voit son diamètre à ce vaisseau d'exploration. Jusqu'ici, il n'y avait pas moyen de le voir, tellement il pouvait aller loin. Mais là, il a commencé à manger du fuel, donc on peut voir la distance. Voilà. Petite vérification. Ben voilà, 210, 210, 210. On est donc ici sur du 210, 210, 204, pour arriver à 654. Donc les choses se sont rétablies. La balance s'est rétablie dans la recherche. Et donc, du coup... on va pouvoir un petit peu notamment fabriquer des armes un peu meilleures. C'est déjà la deuxième sauvegarde, donc je vais arrêter là, puisque ça fait un moment que je suis en train de jouer. C'était la suite du Let's Play consacré à
Distant Worlds Universe. Un petit peu d'euphorie dans cet épisode, j'en suis conscient, mais c'est normal. Quand je vois encore une fois cette ruée vers l'ouest, ça fait quand même chaud au cœur. Have the most troops. Je suis passé à 26%. Control the three largest desert colonies in the galaxy. Pour l'instant, je n'ai que d'une. Voilà, c'est pour ça que j'ai 33%. Si j'arrive à contrôler 3 colonies désertiques extrêmement peuplées comme celle de Dune, j'aurai 100% de critères de réussite sur ce critère. Et donc, du coup, ma barre rouge va exploser. Contrôle le plus de colonies sur des planètes désertiques dans la galaxie. Donc, pour l'instant, j'en ai qu'une, soit 13% du total de la galaxie. Donc, évidemment, c'est pas terrible. Voilà, mais ça, c'est des choses qui sont amenées à évoluer. Hein. Eux, ils ont une barre rouge qui est plus facile à remplir. La mienne, non. Moi, déjà, le secteur économique, il leur met une sacrée plombée. Hein. Je suis pas loin de 500 000 crédits en monnaie, avec un cash flow assez énorme. 114K. Voilà. Le secteur privé se porte bien lui aussi. Hein. C'est ce qui me permet d'ailleurs de récupérer tous ces impôts. Après, les gens ils sont peut-être pas super contents, hein. Ça c'est pas impossible. Population, on est à 0. Voilà, ils sont satisfaits avec moi. 0. Ils ont quand même moins 30. Voilà, c'est quand même con que mon leader il fasse moins 20% en bonheur. Oh là là là, c'est horrible. Moins 20%, vous imaginez un peu. Et il y a moins 30 à cause des taxes. Mais ça m'emmène à pile 0. Donc les gens sont satisfaits. Voilà. C'est pas la grosse satisfaction, mais maintenant que la population, de toute façon, on est au max, moi maintenant je les noie sous les impôts. Hein. Et c'est ce qui me permet d'avoir ce cash flow extrêmement avantageux. J'ai pas vraiment le choix. Si je pouvais récupérer la protection pirate, ça serait une bonne chose. Mais alors eux, je m'en méfie comme de la peste. 1246, ma valeur militaire a un petit peu augmenté. Simplement grâce au rétrofit hein, qui a fait que j'ai équipé quelques armes en plus. Voilà, c'était Trigan pour la suite du let's play consacré à Distant Worlds et je vous dis à très bientôt.